avec grand plaisir que nous vous accueillons dans cette nouvelle vidéo de la Team Authentique Carpiste. Pour les carpistes que nous sommes, cette passion résonne en nous comme une vraie philosophie de vie. Ce goût pour l'aventure, plusieurs personnes n'arrivent pas à le comprendre. Peut-être qu'au long du résumé de cette session, vous trouverez quelques réponses à vos interrogations. On nous demande souvent pour quelles raisons nous sortons de cette zone de confort. Pourquoi nous passons autant de temps à attendre des heures au bord de l'eau, à espérer un signe d'activité, mettre en place une stratégie qui ne pourrait au final ne pas être payante. Sans cesse répéter les mêmes gestes. Encore, encore et encore. Faire confiance à nos réflexions et à notre intuition. Encore et encore les mêmes gestes. Chercher le moindre détail. Briguer continuellement la perfection. Chercher cette précision qui consolidera notre confiance, qui est si précieuse dans la recette de cette réussite. Ni trop, ni trop peu. S'assurer que nous sommes là où nous le souhaitions. Le succès est si fragile et se joue à si peu de choses. Pas de place au doute dans notre pêche. Toutes les préparations que tu as pu faire, ça peut ou ça ne peut pas runner. Il n'y a rien. Il n'y a rien de logique là-dedans. À tout instant, ça peut dérouler. Mais parfois, il est impossible de vaincre ce doute qui s'installe. C'est à ce moment précis que les questions arrivent dans nos têtes. Ai-je le bon appât ? Mon montage est-il suffisamment efficace? Suis-je placé au bon endroit? On relâche la pression comme on peut, en faisant quelques plaisanteries. On dissimule notre inquiétude pour maintenir l'ambiance du groupe. Tout en maintenant le rythme, on se demande pourquoi un jour on vient sur ce même poste et faire 10 poissons. Et là, tu reviens 15 jours plus tard, et pas un seul bip depuis ton arrivée. Aucun signe de vie. L'attente fait partie du jeu, même si parfois on aimerait l'éviter.
Mais ce moment est également très important. Car en venant se perdre dans ces lieux, on donne parfois l'impression de fuir le monde réel. Mais ici, on y trouve une sensation de liberté, réapprendre à vivre avec la nature qui nous entoure. Découvrir le vrai monde, observer notre hôte qui est la Terre. Tu as le cœur qui fait bam, bam, bam. Canon en main, tu prends le contact. Le combat s'éternise. Et là, d'un seul coup, tu vois une grosse masse arriver vers toi. La délivrance quand tu réalises que cette carpe si attendue est en sécurité dans le fameux triangle magique. La pression redescendue, tu prends le temps de découvrir et admirer le fruit de ton travail. Croire en toi, ne plus rêver. L'impossible est devenu possible. Oublier durant ce court instant le quotidien. L'immersion est totale. Elle est enfin palpable. C'est un sentiment imperceptible. Pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'y goûter. C'est une sensation qui est indescriptible. Nous sommes en totale harmonie avec ce que nous sommes venus chercher ici, la liberté. Parfois, une fois endormis, nous nous surprenons d'aimer à nous faire réveiller par le hurlement aigu de nos détecteurs pour retourner ensuite rêver au fond de notre salle de couchage. Merci à tous d'avoir partagé ces moments intimes avec nous.